Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve avec un dieu du ladder français. Mais alors, il est tellement loin! Regardez ça, regardez son classement local français. 7129 trophées à l'heure d'aujourd'hui, tout de suite maintenant. Plus de 132 trophées d'avance sur le deuxième, sur Arctipole. C'est Zed Cantino! Salut, Bienvenue à toi! merci. Alors, tu es un joueur chez Nantisport, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Avec le grand vesting. Nice. Et du coup, waouh, t'as quand même fait une sacrée performance. T'es top 25 ladder à l'heure actuelle. Oui. Donc tu tryhard à fond. Ouais, Oui, pas mal. tu tryhard beaucoup. Waouh, insane. Alors du coup, tu joues le deck là qui est affiché juste en dessous. Tu joues du GR Foudre. Avec la Oui. version garde du coup. Ouais, bah le deck est plutôt connu, ils mettent ça, donc bah, je le prends et j'y arrive bien, donc c'est parfait. Ouais, tu le prends parce que tu le maîtrises bien. C'est aussi. Et pourquoi pas la version de bûcheron du coup? Qu'est-ce que tu préfères Bah dans... au début je prenais la version bûcheron, mais avec les princes, c'est trop chaud, je Ouais, c'est trouve. clair, je comprends. Parce qu'en fait, c'est vrai que si les princes, c'est dur de les gérer. Enfin, t'as que l'électro Ouais. wizard, le cas échéant. Ouais, électro et la fournaise, mais Ouais. autrement c'est pas ouf. Ouais. Et t'en rencontres souvent du coup des princes en top ladder? Oui. Ouais. En même temps, c'est une des cartes top tier en ce moment, non? Ouais, pas mal. Est-ce que tu sais, alors enfin y a rien à voir, mais c'est pas grave, je vais pas faire très loin là-dessus. Tu sais s'il y a des gens qui référencient les tops des cartes, genre dire cette carte-là elle est tier A, elle est tier 2, elle est tier 3. Il y avait un mec qui avait posté un tweet sur ça, mais Ok. je te le mettrai. Ouais, ça marche. Ok, top. Mais du coup, on commence par les replays et du coup tu expliques un peu les matchups, tout ça, si ça te va? Ouais, vas-y. Yes, let's go. Alors, contre TSTUS, donc, t'es prêt là? Je fais le 3-2? Ouais. Ok, 3, 2, 1, let's go! Alors lui, il nous joue une version PK, une espèce de bridge pan, apparemment. Ouais, le prince. C'est un Avec peu le bizarre, prince. mais... Ouais, mais pourquoi pas, hein? Oui. Non, c'est clair que ça va pas forcément être évident. Est-ce que tu engages en général ou t'attends un petit peu de voir ce que l'adversaire fait? Ça dépend si j'ai une fournaise ou pas. D'accord. Si j'ai une fournaise, j'attends un petit peu, mais je la mets. Si j'ai pas de fournaise, je préfère attendre. Ok. Bon, les fuites barbares direct pour la voleuse, c'est Ouais. parfait. Oh, c'est pas mal. Ah non! Ah, je croyais qu'il allait prendre la fournaise avec! Non, il s'est Il s'est un peu loupé. raté, hein. Ok. Tu galères ou pas contre les Ram Riders en général? Ça dépend si la version poison ou foudre. Parce que si la foudre c'est un peu chou, mais autrement, poison ça va. Ok. Ouais. Les matchups que tu galères vraiment beaucoup avec ce deck, y a quoi? Mortier, mortier. C'est horrible. Sans hésitation, aucune. Ah oui, c'est horrible. Ouais, là tu vas remettre une fournaise, ok. Elle est pas mal ce fût de barbare également. Ouais, il prend l'électro et le Ah, nice. reminder, donc c'est parfait. Ok. Et la bleue, tu vas la reprendre au garde, ouais, tu laisses pas connecter. Oui. Oh, oh, c'est bien Ouais. joué ça! Ouais, très, très bien joué, là, j'y peux rien. Wow! Mais quel brut! Ah, c'est Oui. excellemment bien joué! En fait, ouais, du coup, les gardes étaient surréalistes. Il fallait laisser la voleuse, quoi. Ah, Ah, mais je savais pas qu'il y a un prince à ce moment-là, donc... ouais, non, mais c'est. Ouais, je comprends, ouais. C'est ouf! Le mec, en tout cas, a parfaitement joué, quoi. Il savait que t'avais pas Oui. d'élixir et tout, c'est. Mais j'ai bien réussi à défendre avec un électro, donc ça va Ouais. en vrai. Oui, bah heureusement que t'as. Mais bon, après, c'est pareil, c'est que l'électro, quand tu le mets en défense, il est relativement facilement contrable et il peut remettre de Oui. l'élixir en attaque, quoi. C'est sûr. Ok. Donc là, t'as à peu près autant d'élixir, t'es un petit peu derrière, mais ça va, t'as quand même un peu gratté à droite. La foudre, ouais, elle est pas mal sur le match-up quand même, non? De toute Ouais. façon, contre Electro Wizard, etc., souvent t'aimes bien jouer foudre. Tu prends pas non plus de version boule de feu, généralement tu joues plutôt foudre. Ouais, fou plutôt. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la foudre, c'est le côté très réactif en fait de la carte. Ouais, tu t'attends pas, enfin tu peux Ouais. pas voir s'il va la mettre ou pas. Tu C'est peux ça. t'attendre, mais tu peux pas vraiment savoir. C'est ça qui est bien Exactement, aussi. ouais. Ouais. Ok, le prince qui va mettre des bons dégâts, tu redéfends avec l'AMG. À ce moment-là, tu dis quoi? Tu dis que si tu maintiens tes fournaises up, donc là tu vas devoir recycler pour Ouais, monter bah en je vais haut. gratter la fournaise quoi, parce que mon GR, je sais qu'il a un PK, donc ça va Ouais. être chaud de passer. Ouais, c'est clair. Tu claques pas trop des fois des GR juste pour forcer un PK et redéfendre avec des Non, gardes, un truc comme ça. je peux vite perdre. Ouais. Je vois. Ouais, et puis là par contre, les gardes ils font du bon travail. Ouais. Et là, je mettais un bon électro. Ouais, c'est clair.
C'est relativement fort, hein, ça aussi, hein, d'avoir la fournaise électro derrière qui va ralentir, hein, Ouais. t'as les deux tours. Hein. Donc tu dis en fait que tu grattes à la fournaise et tu le forces à, bah, du coup, à devoir répondre à chaque fois dessus. Oui, voilà. Ok. Le barbare qui a mis. Tu stresses quand tu fais des parties aussi haut en ladder? Bah, j'essaie de pas stresser, mais oui, je stresse. Toujours la peur de perdre à moins 30, Ouais, tu m'étonnes. 40. Ouais, tu perds toujours pareil, hein, qu'il y Oui. a, y a un mois. Ouais. Plus 6, 9, c'est horrible. Ouais, tu m'étonnes. Ok, électro. Donc, généralement, t'en fais pas beaucoup des parties, j'imagine, et t'attends d'être bien focus. C'est ça. Ouais. Ok. La PK, c'est parfait, hein, du coup, le GR qui va même pas se prendre de coups. Et là, tu devrais mettre des bons dégâts là-dessus, je pense. Hein. Il pourra pas vraiment le défendre. Ah, quoique. Ouais. Ah, elle ralentit bien quand même. Ouais, le remédeur qui va taper là, ça va faire mal. Aïe. Wow. Ah ouais, c'est très mal. Ok. Ah, il est content du coup. Oui. Il met beaucoup d'émotes en général dans le top ladder comme ça. Bah moi je les désactive, mais ouais, Ouais, ok. non. Ok. Je comprends. Moi je préparais. Parce Hein. que... Bah pour pas être déconcentré, non? Ouais, voilà, ça déconcentre de trop. C'est horrible. Bon, en fait, ouais, t'as déjà assez à réfléchir avec la partie, Oui, et voilà. machin. Ok, électroviseur qui a mis, un petit fuit de barbare. Ah Ouais, j'ai bien joué, non! mais Il prend c'est pas mort. là! Ok, et comment tu def ça? Wow, ça va être chaud, hein. C'est vrai que t'as les gardes. Hein. Ouais. Waouh. Là, j'ai de la chance sur le dragon, mais Ouais, heureusement. c'était chaud. Ça joue vraiment pas à grand chose. Ok. Alors, un raider. C'est bien, il gratte bien le dragon. C'est souvent quand même que les dragons ils arrivent à connecter. Hein. Ok. Waouh. Après, heureusement que t'as l'électro-bizarre hein, pour les cavaliers, bélier, c'est vrai que ça contre bien quand Ça même. aide, ouais. Là, tu regardes, ouais, les gardes sont mis. Et tu fais des grattages foot quand c'est comme ça ou pas? Non, c'est trop cher. Tout en x2, mais j'essaie de prendre un minimum de value, quoi. Ouais. Oh, il restait plus 40 secondes. Là, tu vas remettre un GR et ça va passer, du coup, j'imagine. Non, Même pas? non, je vais vraiment attendre. Ok. Ouais, tu dis que sinon il fait une trop grosse value boule de feu, par exemple. Voilà. Ah, Et c'est pas là, j'ai mal! mon billet de dragon qui met des très bons dégâts. Waouh! Allez, là, t'as juste à La plus cycler, classique, quoi. la foudre. Ouais, Ouais. voilà. Enfin, juste entre guillemets, parce que. Faut quand même def. Ok, le Oui. zap qui a mis. Non, ça va, ça def. Après, c'est vrai que ça cycle pas forcément super vite, le deck, mais. Suffisamment, en tout cas, pour que tu puisses finir. Là, tu sais C'est qu'il a ça. rien pour bait la foudre en plus, donc t'es bien. Ouais. Parce qu'il y a des decks, ouais, suivant le nombre de points de vie que tu vas laisser sur le bâtiment, bah, par exemple les gardes ou autres, qui ont quand même un nombre de points de vie assez. Ah, je sais pas! Alors, est-ce que tu sais, la foudre, est-ce que ça compte les points de vie du bouclier du garde ou des points de vie réels des gardes? Bah du bouclier Bouclier, hein? d'abord. Ouais, c'est ça, ok. Ce qui est quand même assez élevé, hein. Oui. Nice. Alors, du coup, la deuxième game, t'étais contre de l'Icebo. Ouais. Ok, on est parti? Oui, vas-y. 3, 2, 1. Go. Tu penses quoi du match-up du coup? Est-ce que c'est pas parce que c'est Arki que c'était censé l'avoir pour toi ou pas? Bah en vrai c'est un peu chaud quand même parce que il peut full gratter roquette et t'en as roquette donc Ouais, je vois. donc jamais vraiment passé. Ouais, c'est dur du coup. Ok. Parce qu'en fait, ouais, y en a pas mal qui vont te chercher le draw sinon, l'égalité. Non, pas trop. Un peu, mais c'est rare quand même. Ok. Évidemment, hein, du coup, là tu découvres que c'est l'Arkix, donc que ta Ouais. fournaise. Était mal placé. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, tu les mets dans le fond comme ça? Ou plus Bah, bas? entre les deux tours. Ouais, Ouais, entre les deux tours. ok. Ou dernier tour, quoi. Pour pas qu'il puisse te roquette. Bah, non, surtout l'Arcus. Sur ma fournaise. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a un positionnement. Non, il n'y a pas de positionnement sur lequel tu peux éviter que la roquette touche la tour et en même temps que tu te prennes pas l'Arkix. C'est ça aussi. Ouais. Ok. Donc tu sais que tu vas devoir jouer plus ou moins passif hein, en début de jeu, j'imagine. Ouais, tu peux pas partir hein, tout de suite. Parce que sinon, il te défend avec Tornade, MG, Sorcier de Glace, Et après, main en Esprit. archive si je suis mal. Ouais, c'est ça. De toute façon, souvent, j'imagine, tu vas plutôt jouer. Tu joues pas à la Rouskov ou est-ce que tu joues à la Rouskov genre en partant très agressif hein? Ah non, ça c'est trop. C'est trop. Comment dire?
Tu peux pas savoir, enfin réellement. Ouais, trop risqué, tu peux pas savoir réellement les 4 syllabes. Donc... Ouais. C'est fou. moi, jamais, en tout cas, j'arriverai à avoir un gameplay comme ça à la Roscoff où il part super agressivement. Et tu C'est sûr. fais... parce que, en fait, des games que j'ai vu de toi également, t'avais l'air d'être aussi plus à Défensif. temporiser, défensif, ouais, c'est Ouais, ça. voilà. Bah, je préfère pas prendre de risques. Ouais, je comprends. Ouais. Ok, du coup, une sortie glaciaire au temporise. Donc tu fais pas de grattage food non plus, hein, tu attends. Ah, par contre, Pendant... Ouais. c'est une petite erreur de ta part, ça, non? Bah, je pensais pas qu'il aille Rocket, mais ouais. Parce qu'en fait, lui, ça, il est content de Rocket, ça, hein, non? Ouais, bah, il perd de l'XP, mais en vrai, ça va. Oui, il perd que 2, et derrière, il a quand même des options défensives. Là, il va quoi? Il va bûche, retornade, il a sa MG. Ok. Bah, je pensais qu'il aimait son sort glace, mais non, il a bien joué. Ouais, il a clairement bien joué. Bon, après, tu mets quand même 2 patates? Oh, ah non, une seule. Simplement une. Ouais, mais j'ai beaucoup plus d'exir, donc en vrai, ça va. Ouais, ok. Voilà, il a pas osé te re-roquette. Ouais, voilà. Ok. Donc là, tu vois que l'arc-kick s'est posé, donc tu pars Ouais. se ranger. Ouais. Ah, mais il va Waouh. t'en avoir enquête, donc je mets 0. Ok, bah là tu peux refournaise au moins, c'est déjà ça. Après, pareil, il y a l'arc-kick défensif, il va défendre la fournaise. Ah ouais, il part direct à l'offensif. Ouais, vu qu'il a 2 arc-kicks, il se dit qu'il peut le faire. Toi, tu vas foudre ici ou pas? Ouais. Oui, je fous. Je vais Ouais. prendre de risque. Non, t'as raison. Enfin, clairement, c'est pas aussi évident que. Ah, il joue arc-kicks, je joue GR et c'est gagné. Oui, non, c'est C'est. pas si évident. Et quand c'est comme ça, t'essaies de cycler au max et fournaise ou pas? Ou ça marche pas plus que Ça sert à ça? rien, c'est Ouais, vrai ça sert qu'il met rien. toujours son Xbow en défense, donc Ouais. c'est pas ouf non plus, Fournaise. Ouais. Mais je peux faire que ça. Parce qu'autrement, si je gagne trop, ça lui fait trop d'allure. Ouais, c'est clair. Non, je suis d'accord. C'est clairement pas évident. Et c'est quoi ton plan de jeu du coup pour te dire pour réussir à passer ici? J'attends qu'il fasse une erreur. Enfin. Ouais. Genre là? Je peux que. Ouais, là je peux que attendre ça, parce que je suis autrement. Parce que là, du coup, il te roquette cycle dans le vide. Donc tu vas gérer à Ouais, là il est. gauche. Ouais, là il est très bien joué. Ouais, il te bloque ton GR à droite. Hein. C'est pour ça que tu dis que c'est bien joué. Ouais. Ouais. Bah, clairement, il y a l'air d'avoir un sacré niveau de jeu en top ladder. Ouais, c'est sûr. Ok, c'est pas mal ton push à droite là. Ouais, il va passer. Encore une fois, c'est grâce à la Ouais. foot, ça. Là, je mets une Oh masse de là dégâts. là. Ouais, c'est énorme. Ok, nickel. Tu peux remettre une fournaise. Son arc-kicks, il va pas gratter. Donc, il va sûrement essayer de Non. refaire pareil, remettre un autre arc-kicks, mais au pire, tu peux retempo. Ok. Ouais, tu cycle. T'avais 4 petits esprits. Oh, pas mal, le dragon! Voilà, j'ai eu de la chance, je tape. Oh, Là, énorme! du coup, ça me force à tornade. Ah ouais, c'est pas mal. Et en plus, son GR, il va parfaitement défendre l'arc-kicks. Bah, c'est ce que je me dis aussi, c'est que si l'arc-kicks, c'est alors que t'as le GR en main, au final, il pourra pas vraiment te toucher. Ouais, puis là, Ouais, il te reste aussi. une foudre. Là, du coup, je vais recycler et Garde. défendre. Ouais. Je me disais, ouais, si tu mets rien, Ouais. c'est galère. Ça peut aller vite, hein, clairement. D'ailleurs, là, il essaie de faire ça, hein. Il essaie de reconnecter sur la tour, voilà, il t'a repris la connexion. Mais le dragon devrait def, ouais. T'as plus qu'à. Ah, mais lui il a fait Oh! ça, ok, donc Ah, c'était chaud, ouais. Ah, ouais, c'est faut quand même avoir une sacrée maîtrise. Hein. C'est pour ça que ouais, je te dis que le deck me semble vraiment pas forcément évident à hein, jouer en top ladder, parce que. Ben, on peut le voir, mais sur ces match-up là, c'est vraiment super serré, t'as quasiment pas le droit à l'erreur. Ouais, Ça va être une trop dur. erreur et il était mort. Ah, du Hanaman! Ça fait plaisir ça! Ouais. Ah, on est parti sur du Hanaman du coup. Alors, 3, 2, 1, let's go! Alors, il jouait quoi à Naban ici? Du ballon Son deck. gel? Ouais. Son deck ballon, j'ai le bûcheron. Mais le joue assez souvent, non? J'avais vu sur sa chaîne YouTube. Ouais. Bah, soit c'est la version PK, soit c'est en Valkyrie. Donc. Ouais, ok, ouais. Là, j'ai pas eu de chance. Mais. C'est un contre pour toi? Enfin, quand il a PK, Bah. mais pas quand il a Valkyrie, c'est ça? Bah, c'est mieux quand il y avait Carrie, quoi. Ouais, je me doute. Okay. Ouais, il a pas peur quand même. Hein. Il part du principe que t'auras peut-être pas la réponse en main, c'est ça? Ce qui est le cas d'ailleurs. Bah, ouais, il connecte. Hein. Ouais. Ouais, j'ai préféré comme ça. Ok.
Après, au final, tu lui rends quelques dégâts, un peu moins, mais... Ouais, c'est pas plus mal. Tu penses quoi du ballon first play comme ça? Bah, c'est pas mal, mais... Faut savoir le jeu, quoi. C'est ultra compliqué, je trouve. Surtout contre le Moss. Ouais. Bon. Ouais, c'est clair. Ok. Alors, du coup, là, tu vas pouvoir def tranquille, t'as Boragon, ouais. L'électro. Lui, là, il a pas de gros sort, là, il a que gel, tornade, il a quoi comme ça? Ouais, zap. Le gel et tornade zap. Ouais, ok. Ce qui est pas mal pour toi, non? Ouais, sauf si je fais une erreur, mais il peut gel, mais non, autrement, ça devrait le faire. Parce que là, t'as les gardes également pour retemporiser la PK. Ouais. Ce qui est quand même assez sympa aussi, hein, d'avoir les gardes contre PK. Ouais. D'ailleurs, t'as même pas besoin. Hein. Et pareil, la MJ, c'est vrai qu'elle fait du gros travail hein, contre les PK. Mmh, donc là il a bûcheron, forcément. Ouais, ok. Ah, le gel défensif. Ah, il dit non, ce gel. Hein. Ok. Donc là, tu connais déjà son deck à ce moment-là? Oui. Ouais. Ouais. J'ai intrigué que des gars. Ouais, c'est pas mal. Mmh. Tu la redéfends ou pas, elle? Non, tu défends pas. Hein. Ok. Non, je défends pas, elle tape pas. Elle tape petit. Elle tape pas. C'est vrai que je sais jamais trop quand elle est dans cette zone de point de vie, c'est pas forcément ultra obvious. Savoir si elle en mettra un ou pas. Mm. Ok. Est-ce que tu aimes MG direct dessus? Non, tu préfères. Non, je préfère la garder. Je comprends. J'ai vu Vulcan qui disait que c'était souvent un bon play d'utiliser les ballons pour chercher les fournaises. Bah. Cette force a utilisé plus que la fournaise pour la défendre. Ouais. Enfin, pour la défendre, pour pas prendre un coup après. Ouais, mais... ouais. Ouais, ça va, mais faut pas attaquer en même temps, quoi. Ouais, je comprends. Ok, la PK qui est mise. Il t'empêche le GR aussi en mettant la PK là, hein. C'est pour ça qu'il la met. Ouais. Hein. Ouais. C'est ça. Par contre, tu lui mets quand même des bons dégâts, mine de rien. Oui. Et là, je commence à faire une accumulation de troupes, donc bon, c'est pas. C'est ouf, c'est bien ça. C'est ton but dans ce deck aussi, essayer de faire un maximum d'accumulation et de partir sur un petit GR devant. Ouais. Je sais pas pourquoi il gèle. Mais pourquoi il gèle? Je sais pas pourquoi il gèle. Mais non! Mais non, il a trop! Mais t'es tellement bien du coup! Ouais. Ah ouais, mais oui, bah oui! Pourtant, Naven, c'est un gros joueur quand même, non? Ouais, c'est un bon joueur, mais je sais pas pourquoi il gèle. Ok, bah tant mieux. Contre Cimetière, c'est chaud avec GR, non? Non, en vrai, ça va. Enfin, il peut faire de bonnes defs, mais moi j'ai quand même de quoi bien contrer son cimetière. Donc, généralement, tu vas le contrer comment le cimetière du coup? Garde et bébé dragon ou électro. Ok. Ouais, le souci du coup, c'est que le poison sur les gardes il est quand même assez value. Ouais. Après, ça lui coûte cher. Après, ouais, mais avec un fur, je peux bien def, donc ça va. Mmh. Ouais, je vois. Les fournaises, tu les mets milieu de map ou fond de map, contre comme ça? Mid map. Ok. Parce qu'il pourra pas tout toucher avec son cimetière. Ouais, je vois. Ok. Donc il met direct un poison pour essayer de te gratter un peu. Mm. Ça pareil, hein, c'est les play fois 1 où t'as pas trop envie de t'exposer à l'adversaire. C'est sûr. Ok. Oh, le petit esprit de feu qui gratte la fournaise, qui se met bien. Nickel. Ouais. Donc là pareil, tu recycles mais tu prends pas de risque. C'est ça. Genre tu remets une petite MG dans le fond de map à droite, un truc comme ça. Ah non, tu me mets pas sur chevalier. Ok. Non, je l'ai pas vu. Ah ok, c'est pour ça. Du coup, je mets un intro ou un but d'armes. Ouais. J'ai l'impression de te voir jouer genre un deck golem, tu sais, où tu réponds qu'à la juste mesure de ce qu'il met. Ah. Ok, des dragons, papapapa. Ouais, ça défendra bien. Là. Après, il devrait avoir de quoi contrer également, je pense qu'il va remettre un sorcier. Ouais, un bon sorcier. C'est clair qu'il va dire non à tout le monde, le sorcier. Hein. C'est sûr. Il t'improvise bien, donc bon. Ok, il te regarde au poison. Mais après, en x1, y a pas de... enfin, tu peux pas passer quand c'est comme ça s'il si s'expose pas, non? Non, je suis obligé d'attendre une fois 2. Mmh. En même temps, c'est dur hein, de poser un GR en x1. Bah moi j'en mets jamais mais bon. Ouais, t'en mets jamais? Ok. Bon, je préfère pas. Ok, MG, Bédragon j'imagine, Fuit Barbare. Ouais, et Fuit. Ouais. Ok. 0 risque. Et là c'est tu ça. Poses un GR ou pas devant?
ou c'est trop risqué? Je pense que j'ai posé un GR. Ah non, Ah, je ok. préfère temporiser. Ok. Bah, c'est pas forcément évident, hein, parce qu'il y a toujours Tornade, etc. Ok, non, tu le mets quand même. Je le mets après. Donc là, il va mettre deux coups sur la tombstone, et idéalement, voilà. Ah, poison, ça coûte cher, hein, ça, mine de rien, ce poison. Ouais. Ok. Mais Ouais, là, tu j'ai l'as un tout dépend connecté, des là. gars. Ouais, t'es bien, là. Clairement, deux shots, c'est pas mal du tout. T'as le dragon, t'as les... Ok. Ah, tu regardes direct pour mettre la pression. Ouais. Oh! Après, Ah j'avais ouais, une il se fourne. gère à droite? Ouais. Pourquoi t'avais Bah, ça j'ai comme une move? fournée, donc ça va. Ok. Ah, c'est pour ça, ouais. Tu sais que t'as la fournaise derrière. D'accord. Ok. Ouais, il était bien le positionnement de l'électro, hein, pour aller sur le lane après. C'est ça. Ah, tu remets un chat, non? Donc, t'es, sur ce genre de matchup, tu mets de la pression sur les deux lanes pour éviter qu'ils Ouais, s'installent bah quand trop. je peux, ouais. Ok. C'est pour éviter un gros push et un cimetière avec, c'est ça? C'est Enfin, ça, une grosse ouais. défense, ouais. Ok. La tombstone, ça a tué la tomber, c'est pas mal hein, aussi de réussir à tomber la tombstone. Et là, tu le poses parce que tu sais qu'il n'y a justement pas la pierre tombale et qu'il doit recycler pour la Ouais, remettre. c'est ça. J'ai tapé en foudre, il va Oh, pas tornade. mal. Ok. Ouais, mais du coup, tu regrettes quand même les dégâts de la foudre et au final, tu fais un peu de value sur le chevalier, le dragon. Il est Ouais. pas forcé ce dragon de ta part? Si, si, très très forcé. Ouais. Ok, là il va partir en cimetière du coup. Ouais, on repêche. Bon, après ça va encore, t'as les réponses, t'as ton fil barbare en main. Ouais. Mais ça peut aller vite, hein. C'est sûr. Ok. Non, ça va, tu défends bien là. Tu vas mettre un bébé drag, j'imagine, ouais, ok. Il est revenu. Tu regardes souvent tes replays après les parties ou pas? Si j'ai mal joué, oui. Ok. Mais autrement, non. Plus quand tu perds que quand tu gagnes, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que y a un monde dans lequel tu dis ok, je gratte fournaise ou tu dis je vais remettre des GR et puis. Enfin, je gratte pas fournaise, mais pardon, foudre. Oh, le PK Ghost, tout ça. Ok. Parce que là, il y a pas mal de trucs où je veux quand même mettre un bon foudre. Ouais, c'est clair. Plus facilement faire la value. Alors ici, il va devoir remettre la pierre tombale, il va devoir recycler une tornade, mais il a plus beaucoup d'élixir, hein, mine de rien. Ouais, ok. Oh, le barbare qui prend l'aggro du chevalier. C'est bien ça. Ok. Tu te sens bien quand c'est comme ça, là, t'es deux tours, t'es en Bah, 40, enfin, c'est les 40 secondes, quoi. Est-ce que t'arrives à c'est pas finir dans le ouf. temps? C'est pas ouf, mais je gratte des dons, donc il sait pas quel côté de je vais push. Ouais. Parce que là, tu sais que tu dois forcer hein, pour finir dans le temps réglementaire. Tu fais souvent des draws en tap laser, tu dis? On compte le mortier, ouais, mais autrement, non. Ok. Enfin, même pas volontairement de ta part, hein, mais Oui, parce que tu n'y arrives pas, par là, exemple. là j'ai forcé, il a plus beaucoup d'élixir. Ah, c'est bien joué. Oh, le dragon! Qui allait faire la partie Ouais. à 12 secondes de la fin? Oh! Et là, il n'y a plus rien pour jouer le Ah, putain, la dragon, foudre, et quoi. c'est la win. Waouh! Ah ouais, y a quand même un monde dans lequel t'arrivais pas à finir, quoi. Enfin, Ouais, c'était chaud. non, c'est pas mal. Waouh, impressionnant. Et du coup, tu nous as gardé un dernier replay qui est contre du mortier, ton pire match-up. Ouais, c'est ça. Je sais, oui, mais c'est chaud quand même. Bah du coup, c'est parti. 3, 2, 1, let's go! Tu les connais les joueurs quand c'est comme ça, genre Bielvini, si tu le connais? Non, je connaissais pas de... Mais ouais, il y en a que je connais. Ok. Et souvent, est-ce que les joueurs ils jouent les mêmes decks ou est-ce que tu y varies, tu trouves? Non, ça dépend s'ils tiltent, mais la plupart, ouais, ils gardent leur deck. Ok, Ouais, ok. c'est le mieux à faire, en fait. Ouais, tu trouves aussi être un deck master, c'est mieux? Oui. Toi, typiquement, tu considères que c'est sur ce deck-là que t'es le meilleur? Bah, dans cette saison, oui. Ok. Oh, le mortier évidemment hein, qui gratte la fournaise. Et du coup, c'est quoi ton plan de jeu sur les matchups mortier? Bah fournaise, c'est celle qui me donnera le plus de value. Ok, ouais. Et puis, ouais, la horde elle peut faire très mal aussi. Hein. Ouais. Donc, pour la horde, t'as le bébé dragon et t'as potentiellement l'électro-wizard et la fournaise.
Ouais, la fournaise. Ok. Donc pareil, hein, tu vas faire de la tempo dans le x1. Ouais, tempo, tempo. Bah, je trouve que c'est aussi à ça hein, qu'on reconnaît souvent un joueur, un bon joueur, un semi-pro, pro, peu importe, à des joueurs un petit peu plus casual qui ont un peu moins l'expérience, c'est qu'ils vont plus prendre le temps de vraiment De juste tempo, défendre, ouais, de ouais. tempo. Ouais. Ouais. On va pas se jeter, quoi. C'est vrai. Parce que mine de rien, c'est vrai que ça va vite hein, de vouloir mettre un push, de forcer une unité en trop et puis se faire Ouais, de punir. trop forcer. Ouais. Ok, donc là pareil, hein, tu recycles juste en fonction de ce qu'il met, tu prends ton temps. Après, ça joue bien, hein, toutes les parties qu'on a vues en face, il y a quand même très peu d'erreurs. Hein. D'erreur, ouais. C'est pas mal ça, du coup, le GR qui va pouvoir défendre. Et est-ce que tu électrovisères dessus? Non, ça coûte trop cher. Non, Oh, juste une oh MG. là, oh là. Ah, c'est galère. Hein. Ouais, et là, pareil, si Puis... tu mets électro, t'es trop derrière, quoi. C'est trop risqué, quoi. Ouais. Wow. Effectivement, du coup, à droite, t'as gratté un. C'est la fournaise qui a gratté ça? Oh ouais, c'est la fournaise. C'est pour ça que je dis qu'il faut un peu avec la fournaise. Ouais. Elle met masse de dégâts. Eh, on se rend pas compte, hein, mais. Ok. Donc là, la horde, tu la reprendras à la MG. Ah non, tu l'as mis okay. Au fond. Ça va, t'as de la Ouais, MG. j'ai mal joué, mais ça va. Ça va, ouais, ça pourrait être pire. C'est vrai que la fournaise, elle a aussi retourné. Elle s'est dit, allez, je vais défendre la maison. C'est ça. Et à quel moment tu te sens confiant de poser un GR dans ce match-up? Quand j'ai pas mal de fournaises, et je commence à accumuler des troupes un peu. Ok. Ou quand elle a trop forcé ou des trucs comme ça, mais ça c'est rare. Parce que là t'as déjà pris assez cher hein, sur les coups de mineur. Pour le mineur c'est principalement les gardes hein, que tu vas utiliser ici j'imagine. Ouais, garder électro. Électro aussi ouais pour retarget hein, au cas où. C'est ça. Oh mineur t'as quand même mis 4 coups de semi-électro là. La fournaise qui gratte à droite. Ok, donc là t'envoies direct le GR parce que tu sais qu'il y a plus les fripons pour défendre, tu sais qu'il va mettre la horde ici. Ouais. C'est quasiment sûr, hein. Voilà la horde qui est mise. Oh le mortier quand même il temporise. Ouais, c'est horrible. Et là, on prend G. C'est vrai que t'avais la fournaise aussi à droite, hein. Ça a bien aidé pour gérer la horde. Ok, tu C'est reprends sûr. électro. Le drake j'imagine, ok, c'est ça. Là, tu sais que lui, son plan de jeu, c'est d'aller te finir à la tour avec du mineur grattage, boule de feu, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est le mieux à faire pour lui, tout ça. Ouais, c'est Donc. clair. Bah, le voilà, derrière le mineur qui va pouvoir être défendu, t'es obligé de mettre le feu de barbare. Waouh. Par contre, ça coûte cher cette boule de feu. Hein. Enfin. Ouais, j'ai mal joué là. Ok. Ah, les feux de barbare qui avaient à nous défendre. Bebrak qui est pas mal, hein, qui permet de bien gratter quand même la horde, parce que tu savais qu'il allait devoir mettre la horde. Ah, il la finit pas! Mais non! Non. Ah ouais, c'est tellement dur à ce moment-là, en plus il a boule de feu et tout, on l'adore ça. Oh. T'es obligé d'électroviseur, donc il est bien. Non, il est bien. Ça va, tu le défends bien. Toi, tu te dis pas que tu pourras cycler les foot plus vite, hein. Là tu sais très bien qu'il ira plus Non, vite. ça sert à rien. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Ça faut vraiment pas se prendre de coups, quoi. Ouais, c'est chou. Ok, et là tu dis qu'il y a les fripons, tu vas pouvoir potentiellement mettre une foudre et aller plus vite. Non, je sais même pas, non, tu as pas de Non. foudre ici, non, trop cher. Ah, son mineur il était bizarre ici. Ouais, bah je n'ai pas vu mes gardes donc je l'ai mis comme ça. Ok. Ah, et là t'es à portée de boule de feu donc tu sais que tu dois aller vraiment aller beaucoup plus vite. Ouais. Tu redéfends le drag, tu vas gérer à droite, j'imagine. Ou à gauche? Non, à gauche, ouais, À gauche. gauche, Ouais, pour ouais. là. Et là tu gardes pour foudre, j'imagine. Oui. T'es obligé, hein. Ouais. Ok, foudre. Oh, oh oui, un Ouais, coup! c'est chaud. Oh la la. Ça joue tellement rien! Waouh! Ah ouais, effectivement. Tu sais à peu près combien tu gagnes de parties par rapport à combien t'en perds en top ladder en général? Non, enfin je fais pas attention à ça. Tu fais pas Enfin, je attention, m'en non. fous. Ok. Ouais, je me fous sur tout et puis c'est comme ça. Ok. Waouh.
Nice. T'as des conseils pour les gens qui voudraient jouer ce deck en particulier Bah, de surtout attaquer dans le x2 et de tempo. Ok. Beaucoup de tempo et attaquer dans le x2. Et Ouais. il est foudre. Bien gaffe, et tu fais souvent bien gaffe à garder les 6 d'élixir pour les mettre sur les match-ups où tu Oui. sais que t'auras besoin. Bah, j'attends surtout pour s'il attaque de tout côté, quoi. D'accord, ouais, je vois. Parce que du coup, ça et les gerfs fond de map, tu en poses. Là, on en a quasiment pas Jamais. vu. Non, je peux jamais. Ça sert à pas grand-chose. Parce que y a un monde dans lequel t'as envie d'avoir, par exemple, de recycler un GR parce qu'il sera déjà au pont, non? Ça arrive pas, ça? Non, enfin, j'ai mes appuis, donc non, ça. Ok, ouais, je vois. Non, parce que des fois, on voit certains joueurs qui préfèrent justement préparer des push un peu à la golem où ils mettent un GR dans le fond de map. Ah, Et ouais. derrière, bah après, plus sur la version bûcheron. Parce que du coup, quand le bûcheron meurt, tu peux remettre un GR. Mais je vois. Bon, je trouve que c'est pas ouf. T'aimes pas trop ça, tu trouves que c'est pas intéressant. Voilà. Ok. Bah, je préfère foot, tu vois. Ça donne plus de lui et on mettra Ouais, toujours plus je qu'un bûcheron. comprends. Ouais, c'est clair. Ok, cool. Et du coup, c'est quoi tes objectifs pour cette saison? Tu vas continuer de rush un peu? Ouais, je continue rush. Mon objectif c'était top 50. Ok. Et à ton avis, parce que là, du coup, la saison va pas tarder à se terminer, tu penses que ça va se finir à combien de trophées le top 50? Top 50, 7-4-3, 7-4-4, vers là, je pense. Ok. Donc, tu dis qu'il faut que tu re-sécurises encore, je sais pas, 200 Ouais. trophées et puis. Au moins, ouais. Enfin, c'est cool en tout cas. T'es content d'être pareil top FR, tout ça? C'est une petite Ouais, fierté. ça fait plaisir de revenir parce qu'avant je jouais aussi pas mal et j'étais aussi haut, mais à un moment j'avais arrêté, du coup bah ça fait plaisir de revenir. Ah ouais, tu m'étonnes. Waouh. T'es revenu depuis combien de temps? Bah, ce mois-ci, ça faisait 4 mois que j'avais pas été aussi haut. Waouh. Ok. Bon, en tout cas, c'est impressionnant. Hein. Franchement, il y a plein de joueurs qui m'ont dit Merci. ZQOP, tout ça. Normal. Bah, merci beaucoup en tout cas pour la vidéo, c'est vraiment super plaisir. Pas de problème. Je te souhaite une excellente journée du coup. À tous.